c'était un souhait du comité de tout le département de rassembler les jeunes pour promouvoir le basket. On s'est rendu compte que effectivement, de faire ce genre de rassemblement, de rassembler tous les petits et le Père Noël, c'est magique. Les ateliers sont aussi quand même pédagogiques, donc on a des ateliers où le but c'est aussi de marquer un panier. Donc celui-ci par exemple, on va marquer un des paniers, si on marque, on va construire une cheminée ou le Père Noël avec des cartons, on a fait des puzzles. Donc c'est des grands dessins et à la fin on finalise avec un Père Noël ou une cheminée du Père Noël. Alors, ici, on va faire le défi shoot. On va marquer des paniers. 4, top. J'avais le ballon. Dans ce gymnase, il y a des matchs organisés pour les enfants de 6-7 ans. Des matchs de 4-4 qui durent 5 minutes. C'est pour vous le ballon. Allons, défend les verts. Oui, c'est bien. Beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur avec 350 ou 400 gamins, avec l'organisation de la commission jeune, aidée de la commission communication qui a fait un travail formidable également. C'est la base, c'est la satisfaction profonde de tout un groupe qui réussit à fédérer, qui réussit à animer et qui donne du bonheur, comme on peut le voir, à tous ces jeunes qui vont devenir, on l'espère du moins, de très bons basketteurs. Franchement, c'est une très très bonne initiative. Nous, c'est la première année que notre fils fait du basket. Et honnêtement, le comité départemental met tous les moyens pour que ce soit une grande fête du basket et que les enfants soient heureux. Toujours formidable pour les enfants. Et nous, on vient de Tourtoirac et je vous garantis qu'on a toujours été très bien accueillis ici.